Kate Middleton et le prince William se sont retrouvés en studio avec les enfants pour une séance photo. Il propose, cette année, une carte de vœux 2023 extrêmement sophistiquée. Le week-end est décidément très festif pour les membres de la famille royale d'Angleterre. Kate Middleton et le prince William ont assisté au traditionnel concert de Noël Together at Christmas en l'abbaye de Westminster à Londres le samedi 8 décembre 2023, accompagnés de leurs trois enfants le prince George, 10 ans, la princesse Charlotte, 8 ans et le prince Louis, 5 ans, qui a étonnamment été très calme. Le même jour, la princesse et le prince de Galles ont dévoilé leur carte de vœux 2023. Et on peut dire qu'ils l'ont mis le paquet. Après avoir proposé des clichés pris en extérieur les années précédentes, Kate Middleton et le prince William ont fait appel, cette fois-ci, au photographe de mode Josh Schinner. Portraitiste pour Vogue, le New York Times, le Wall Street Journal notamment, il a déjà collaboré avec Florence Pugh, Vanessa Kirby ou encore Alexa Chung et il a réuni, cette fois-ci, la princesse et le prince de Galles et leurs trois enfants en studio. Le résultat est incroyable. Prise en noir et blanc, cette image regroupe les membres du clan, tous assortis, portant d'élégantes chemises blanches. Lors du concert de Noël de l'abbaye de Westminster, le peuple britannique avait déjà été surpris en voyant comme le prince George était devenu grand. Un vrai petit adolescent. Sur la carte de vœux 2023 de la famille de Galles, il fait également presque la taille de sa maman Kate Middleton. Le roi Charles III et la reine consort Camilla ont également dévoilé, ce même jour, la photographie officielle qui va circuler pour les fêtes. Les souverains d'Angleterre ont fait plus simple puisqu'il s'agit d'une image capturée le jour du couronnement, le 6 mai 2023, dans la salle du trône de Buckingham Palace, alors qu'ils portaient encore leurs costumes traditionnels et leurs divers apparats. Cette année, encore, les membres de la famille royale devraient se réunir, pour Noël, à Sandringham, dans la demeure du roi. De nouvelles photos seront, peut-être, encadrées et accrochées au mur.